Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Awakening. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on ne va pas aller à gauche, on va aller à droite parce que à gauche, on s'était fait éclater, enfin Henri surtout, s'était fait éclater. Et surtout, il y a le boss, j'avais pas capté, j'ai fait le con, je me suis dit, bah, j'y vais et en fait, non. Donc, à droite. À droite, des ennemis. À gauche, des ennemis. Devant, des ennemis. Derrière, les sanitaires. Alors. Paf. Qu'est-ce que je fais là? On a dit toi avec toi. Non, avec toi. Ensuite, on a dit toi avec toi. On a dit toi avec toi. Toi avec toi. Tu es déjà au niveau S, cela dit. Lisa avec Donnell. Maman avec la fille. Allez, maman avec la fille. Après, on peut faire ça comme ça. Hein. Ils sont quand même puissants les deux quand ils sont là. 21, 42, paf. Parfait. Tant, ta 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 ta. 21, 27. Si tu veux, Riken, vas-y. Ah merde, je me suis gouré. Ah merde, j'ai mis Henri avec, avec Noi et Riken avec Tarja à flûte. Ah, ça, c'est un bon fail. Ah, merde. Ah bah yes. Hein. Attends, ils sont la, les deux ont la même classe. J'ai vraiment confondu. Mais ça. Ça, c'est une première. C'est une première. Alors, toi... Toi, je t'éclate la gueule. Hein. Avec une hache en verre. Oh, c'est dommage. De mourir comme ça. C'est une hache qui se brise. Oh, c'est joli, ça. Il combat sur terre. Pourquoi il combat sur terre? C'est pour que Libra ne vole... Parce que Libra ne vole pas. Lol. Et toi, là. Pim, pim, pim. Mais du coup, Riken avec Tarja, c'est con. Oh bah, il protège, hein. Entre, en, entre mage noir. Riken, chapeau bas, hein. Entre... c'est pas des chevaliers, c'est pas des mages noirs, mais c'est des... C'est des paladins noirs, non? C'est pas ça? Rick. D'accord. 5%, Tarja, elle a pas aimé qu'elle se faire piquer. Le mec s'est fait cramer sur place et elle dit tu méritais pire. D'accord. T'attaques vraiment celui-là, toi. La goat des chevaliers Pégase. Bon, c'est quand même plus... plus facile que la bataille là, hein. Parce que franchement là c'était la misère la bataille. Gaius qui veut protéger sa Dulcinée, ça y est, c'est officiel. Oh, il s'est raté, mais il a attendez, non mais Gaius, il a protégé Sumia de prendre les 5 dégâts, il a attaqué. C'est raté, mais il a attaqué. C'est pas rien quand même. Là c'est bon. Sumia, elle peut tomber sous son charme. Sa gentillesse, sa dévotion. L'aura qu'il dégage, son charisme. Un peu comme Riken. C'est dommage, il y aurait Riken à côté, il serait mort les mecs là. Seulement je m'étais pas foiré. Lol. Alors. Tarja va attaquer. Si je prends Nosferatu, tu te soignes. Ce qui est pas mal.
Ça, c'est bien. Noui. Mais j'aimerais bien que... Non, je peux pas me mettre avec toi. Relou. On va mettre la maman. Avec la fille. Petite épée en fer. Paf, paf. Ça suffit pas, hein. On va mettre la fille, alors. On va mettre la fille avec la maman. Voilà. Voilà qui est mieux. Ah mais merde. Je préfère qu'elle utilise l'épée. Séparer les deux. Rends-moi ma femme, toi. Merci. Tu le tues, mais si je... Est-ce que je peux échanger les deux? Je mets 22, mais tu prends 11. Ouais, c'est pas si mal, hein. Zéro de force. Le problème, c'est qu'il y a personne d'autre pour l'agresser, lui, là-bas. C'est un peu le souci. Parce que là, il meurt, quoi. Après, si je permute, il y a l'avantage que peut-être Sumia attaque aussi. Allez, je tente. Non, elle a pas attaqué. Oh, il a esquivé, bien joué. Il a esquivé à 17%. Et Sumia attaque. Oh là là, mais c'est parfait. C'est parfait. Le scénario est parfait. Gaius, il gagne un niveau entier. Niveau 6. Plus 4. Nouvelle sucrerie. Une douceur de la vie. C'est qui m'agresse? C'est toi? Merde. Du coup, permettez-moi de te dire non. Permettez-moi de vous dire non, monsieur. Madame, plutôt, d'ailleurs. Hop. Cure-dent dans les dents, justement. Maman. Hop. Mais c'est qui nous agresse encore? Mais il y a un gland, la merde! Oh zut! Oh zut, je l'ai pas capté lui! Ah damne, damnation! Ville créature! Oh merde, ben, je l'ai pas capté. Oups! Oh merde, je suis un bêta moi. Je l'ai pas vu, il était dans les troupes dissimulé, je l'ai juste pas vu. Ah merde. Ah, cela dit, il me reste toi. Tu es notre ultime sauve... Non. Elibra. Non, par contre, je vais faire... Ah, mais je peux pas échanger, là. Si, est-ce que je peux dire à... Non, je peux pas. Là, je peux pas modifier leur équipement aussi. Ah si, je crois que je peux, mais je peux plus permuter du coup. Si, je sais plus. Ok, on a sauvé Gaius. On a sauvé le soldat Gaius. On va se mettre là au cas où, si Targel se fait attaquer, qu'il y ait quelqu'un à côté. Comme il a la lance, il devrait pouvoir gagner en... En lance, justement, en maîtrise d'armes. Ce qui est plutôt bien.
Toi, tu agresses Donnell, qui fait 0 dégâts parce qu'il est fort avec son casque. Toi, tu agresses Lucina, d'accord, très bien. Par contre, Noi, elle s'en fout complet. Hein. Riken dévoué à sauver Tarja pour Henri. Noi, Henri, elle s'en cogne. Hein. S'en bat les steaks même. On va ouvrir le coffre. Trésor moyen. Ok. Hmm. 32. Mais lol. Bon, on va faire 28. Ça fera gagner du niveau à Zelfer. Elle prend 0 dégâts. C'est jamais libre à attaque. Et voilà, parfait. Ça augmente leur cohésion en plus. Ce qui est bien, leur niveau de soutien. C'est ça qu'on veut. Petite épieu. Non, on n'a pas de lance de toute façon. On va faire ça comme ça. Non, vous, vous allez rester là de toute façon, donc j'allais vous chercher ça pour augmenter votre niveau d'entente. Ou votre XP, ça dépend. Avec Xenofalchion, c'est très bien ça. Ignition, bah parfait. Ça devrait faire des 33 dégâts ça. 35. Très très cool. Petit Donnell. Petit enfant Donnell. A priori, ça vient de passer, ça, non? A priori, Noël, c'était il y a pas longtemps. Pour vous. Là, j'ai entendu une porte. J'aime pas ce qui se passe. J'aime pas du tout ce qui se passe. Hop, je vais envoyer les deux ensemble. J'ai pas envie de les mettre un peu trop loin. Quoique Henri il est fort. Hein. Je peux mettre Henri là, non? Euh, 21, 23, non c'est pas fou hein. C'est pas fifou. On va plutôt juste faire ça. Ça me paraît mieux. Hop. Ça c'est ok. Étrange. Pourquoi il y a la porte? Attaquer, je peux attaquer à distance? Non, l'épée orage, on s'en fout. Je vais te mettre là. Je vais faire une pause, je reviens. Non, bah j'ai dû entendre le vent. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, y'a rien. Alors, hop. Phase ennemie. Tadam. Lucina, tu esquives, c'est cool. Ça y va avec Xeno Falchion. Elle est forte cette épée. Plus que Falchion. Ah. Loul. Par contre, là, ils commencent à être nombreux. Je vais permuter, je vais attendre. Comme ça, je pourrais repermuter pour aller plus loin. Si quelqu'un avait besoin d'entraînement, c'était bien moi. Oh non, c'est pas, vous avez pas augmenté votre entente. C'est honteux. Moi, je voulais augmenter votre entente. Alors, attendez. Vous. Si je vous mets là. Ah, et toi, tu les éclates, par contre. Ta-da-da-da. Pas besoin d'être d'Henri, hein.
Elle y va, YOLO. Ok. Vous, ça devrait être pareil, non? Voilà, la dracopierre. Ta-ta-da-da-da-da. Et le coup critique. Boum. 63 dans la gueule. Ça fait du bien où ça passe. Ça fait du bien par où ça passe. Alors, rapière, 25, 50, c'est très bien, c'est très fort. Ça tape le cheval. Paf. Petite esquive. C'est l'esquive? Non, c'est pas l'esquive, malheureusement. C'est foiré, le petit chrome. C'est pris 3 dégâts. Boule nulle. Alors, Donnel. Et Donnel, tu mets 44, c'est fort, ça. Tape-lui la gueule. Tadadadadadam. Oh là là, l'esquive. C'est comme ça qu'on fait. Il a appris encore plus que le maître. Chrome n'a pas esquivé. Donnel, oui. Tadadadam. La quantité de PV qu'il gagne, la quantité de stats qu'il gagne. Donnel, ça va être un monstre à la fin. Il va avoir tout partout au max. Bon, c'était ce que vous m'aviez dit, hein. Donc en même temps, c'est pas volé. Vous ne m'avez pas menti. Et là, je suis en train de réaliser ce qu'aurait pu être... Comment il s'appelait déjà, le villageois? Jean? C'était Jean? Dans Engage, il me semble, hein. Je crois que c'était Jean. Quelque chose du genre, mais je crois que c'était Jean. Ça aurait pu être... un monstre, tout simplement. Bon, en même temps, on avait diamant avec Roy, là, c'était n'importe quoi. Hein. Je n'avais pas besoin de gens. Diamant suffisait, il s'était posé tout le diamant. Je mettais diamant, 50 personnes autour, diamant il les tuait tous. Un peu comme là, Chrome, mais il prenait pas les dégâts diamant. Hein. Vraiment, il résistait. En plus de ça, même quand il crevait... Ah, Ether, c'est bien, ça soigne, non? Non, c'est Lunaire qui soigne. Oh, il y a un critique en plus. Non, c'est ça, Ether soigne. Oh là là, il a fait un critique derrière, en plus. Ouais, bah finalement, Diamant, t'as appris de Chrome, hein. Bon. Dans le précédent, il s'était fait laver la gueule. Mais... Dans le combat précédent, là, il s'est fait laver en deux coups, mais... Il était un petit peu trop au niveau en même temps. Boum. Ok. Ah oh non. Arrêtez d'attaquer Chrome par contre là. Je commence à prendre des dégâts 5 par 5 là. Ether, mais allez, allez. Il se soigne encore plus que quand il a fait un critique. Ok, mais d'accord. Chrome, il faut te calmer. Wow, il fait de plus en plus de dégâts. Si on refait un Ether là par contre, il se sera soigné full life. Mais il y a encore... Non, c'est un critique cette fois. Non mais il est imbattable, Chrome. C'est bon, j'ai trouvé mon diamant. C'est quoi ça? Il s'est fait agresser par 1000 personnes, il a réussi à soigner et tout en plus. Et il était tout seul. Vous imaginez s'il avait Darren à côté? D'accord. D'accord. Bah écoute, félicitations, j'ai envie de te dire. Bien joué. Bien joué. Libra, j'ai pas Libra, si, j'ai Libra qui est là. Je vais faire un petit permutation. Bâton. Fortifiant. Ch'tim ding ding. On va le réparer à 9. Parfait. C'est un gain de niveau pour Libra. Qui prend 4. Pour résister un peu plus, ce qui est pas trop mal. Vous deux, je vais vous mettre là. Un petit permuté, on va ouvrir le coffre. Restitution. Très bien. On va pouvoir aller en deux coups, je pense, ici. Ouais. Pour ouvrir le coffre en bas. Alors lui, il est gros, lui. Il a 53, il a un talisman. Qu'est-ce que fait un talisman? Ça augmente quelque chose, ça. La résistance de manière permanente, plus de 2. Il a 0 magie. Il a une résistance magique assez faiblarde, donc je pense qu'à la magie, lui, on l'éclate. Est-ce qu'on n'enverrait pas Donnel taper lui? Ça me paraît bien.
après j'aurais bien aimé que Gaius il tue des gens quand même. Parce qu'en réalité ça me plaît bien d'avoir Gaius avec Sumia. Avoir un enfant Pégase qui aurait crochetage. Ce serait pas dégueulasse du tout. Hop. Ah. Dame. Ah. Voilà. Très bien. Tarja, c'est vraiment notre... Ah. C'est quoi son nom? En Three Houses, là. La mâche pétée. Non, c'est pas Dorothea. Putain, comment j'ai pu oublier son nom avec les cheveux gris? Je suis obligé de... Je veux me battre, là. Je l'ai sur le bout de la langue, en plus. C'est pas... Non, bah j'ai Veil qui est venu, mais non, ça, c'est l'autre cheveu gris, ça. Mais merde, j'ai un trou de mémoire, là. J'ai un vrai trou. Damn. Comment j'ai pu oublier? Il s'appelle comment? Elle est trop sympa, en plus. Mais merde! Comment j'ai pu oublier son nom? Attendez, là, je panique. On y a joué en plus avec dans Three Hopes. Chez Claude, là, vous voyez forcément de qui je parle. Oh là là, mon dieu, je suis en train de perdre la boule. Je suis en train de perdre la boule. Comment elle s'appelle? Non, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble, je vais aller voir. Je vais péter un câble. On va aller voir ça. Et oui, parce que j'ai l'édition collector de Fire Emblem Warriors Three Hopes, donc j'ai les cartes avec tous. Je vais péter un câble quand je vais voir son nom. Lysithea, voilà, putain, mais quel abruti! Comment j'ai pu oublier son nom? Un gros bouffon. Comment j'ai pu oublier Lysithea? Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai envie de me foutre des baffes. Comment j'ai pu oublier la CTA? Le trou de mémoire. Ah, oh, le bon trou de mémoire de merde. Non, elle est inoubliable ici, la CTA. Je voyais sa gueule, je voyais tout. Hein. J'ai juste zappé son nom. N'importe quoi. Bon, ça faut dire que ça date que je l'ai pas joué avec, quand même. Mais ça ne s'oublie pas, justement, la CTA. Je m'en veux, bref. En vrai, ça va pas. C'est pas dramatique, hein. Mais quand même, si. Pauvre Lysithea. Parce qu'elle est vraiment pétée, hein, pour le coup. Bon, Three Houses, elle fait des dégâts de malade. Hein. Bon, cela dit, je disais de Chrome, mais ouais, mais en même temps, ils sont tous les deux là. Et Lucina et Darren, là. Mais bon, la fille n'a rien à envoyer à envier au père. Ça, par contre, ça a un peu plus de... Non, ça va. En vrai, Gaius, il s'en sort bien. Hein. Ah non, 11, parce que 11, je me dis, si 11, c'est pas beaucoup. Mais... En réalité, 11, c'est la moitié de ses PV. Il pêche un peu en PV, du coup, Gaius. Le coup critique. Pas mal. Et c'est le niveau 5. Est-ce que tu gagnes une capacité là? Ouais, vengeance, la fameuse. Ok, intéressant. Elle renvoie un dégât, 40% des dégâts qu'elle a subis. Si ça s'active. Ce qui est pas dégueu, déjà qu'elle fait des dégâts monstres. Ok, alors est-ce que Gaius tu le tues? Non, malheureusement non.
Je vais être obligé de me permuter. De t'attaquer. Ok, Besticide d'allumer 37. Moi, ça augmentera leur soutien. Hop. On va soigner. Bon, on va essayer le dernier catharsis. Hein. Même si c'est à distance, je crois que c'est. Bon, on va libérer la place. Donnel, est-ce que tu le tues lui ou pas? Tu le tues, oui, complètement. Parfait. C'est un raté. Bah, Donnel, il commence à être vraiment très très puissant. Il les découpe bien. Il a une vitesse de malade. 24 de vitesse, c'est énorme. 27 de force, c'est pas mal. Mais 33 de chance, c'est juste n'importe quoi. Je pense que ça peut monter que jusqu'à 50. Ah, ça y est, on est en vert. Pourquoi il y a du vert, là? Pourquoi c'est vert? C'est que c'est au-delà de la moyenne, c'est quoi? Pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est vert? Chance x2. L'unité attaque sans user son arme. On a 66% de chance de que ça utilise ça. Donc il faut vraiment qu'on lui mette une épée puissante, lui. Tchac. On va faire ça comme ça. Pourquoi c'est en vert? C'est étrange. Il a dépassé les statistiques possibles, c'est ça? Il a dépassé celle de Darren? Non, bah non, là, vous voyez, c'est ça qui est bizarre. Lucina, elle est en 28. Et lui, il est en 33 de chance. Ouais, c'est pourquoi c'est en vert comme ça? C'est temporaire? Il y a un buff. 20% de chance d'augmenter les caractéristiques à chaque niveau, non. Pression, esquive, plus 15 si un ennemi à niveau supérieur. L'unité attaque, bah non, ça change rien. Non, je vois pas pourquoi c'est en vert, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je verrai bien, hein. Vous allez me dire. Alors soit c'est lié à un buff, mais je vois pas lequel dans ce cas-là. Soit c'est juste une indication que je ne comprends pas. Enfin, dans tous les cas, c'est une indication que je ne comprends pas, mais... Pourquoi elle est là, surtout? Hop, on va faire ça. J'aimerais bien que Gaius, il porte le coup fatal sur le boss, mais à mon avis, il risque de crever. On va quand même essayer de faire ça. Faire en sorte... que ce soit le cas. Hop. Est-ce que c'est possible d'avoir 3 barres de points de vie? Ça m'a pas l'air d'être faisable sur la... Ouais, ça m'a pas l'air d'être faisable. Donc je suppose qu'on peut monter jusqu'à 81 points de vie. Dans la théorie. À moins qu'on puisse monter encore plus haut si on a une troisième barre qui peut popper. Hein. Elle pourrait être plus petite, hein, que vous réduisez la taille de la barre. Parce que là, elle est centrée au milieu. Après, ils peuvent réduire un peu la taille de la barre, mais... Je sais pas. Après, ça serait bizarre qu'il y ait juste 80 en limite comme ça, random. On va attendre comme ça. C'est pas le boss, toi, hein, non. Hop, on va tuer toi. Ou pas d'ailleurs. Est-ce que comme ça, toi, je peux te tuer si je te permute? Je te mets pile les 33, c'est parfait. Ok. Chrome. Falchon 2x7, tu mets 20, ah tu me mets cher hein.
On va faire l'épée en argent. C'est un gros monsieur quand même, lui. Ta 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 ta. Ok, toi je te mets 30, ce qui est pas forcément bien. Toi je te mets 25, ce qui n'est pas forcément bien non plus. Après les deux combinés. Je pense que les deux combinés ça marche. Il y a presque 70% de chance qu'il attaque. Ouais, voilà. Ok. Très bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour la suite de ce combat et probablement la fin. Ciao, ciao tout le monde.